Manno songay hum songay mar hun kali yemen manno songay goro kikara songay goro wado songay goro tindirima songay goro hombori Dans un premier temps, c'est pour faire revivre mon chemin musical, retracer mon chemin musical qui a pris quand même ses origines à Karou, ensuite à Ouattara, ce fut le tour dans Songo, Gao, enfin je suis descendu vers Niamey où je vis maintenant. Et ce chemin musical m'a fait traverser beaucoup de frontières, voire des océans, pour aller à la rencontre de ces amis que j'ai fait venir ici. Ça me fait vraiment plaisir. Dans un second temps, ça permet aux habitants de ces différents villages sur le long du Sacheso de se rassurer que moi, je n'ai pas oublié mes origines, je n'ai pas oublié là où j'avais commencé, que je ne fais pas partie de ces gens-là qui, après un bonheur, oublient leur passé. Barry, Boubacar Souleyman. De fil en aiguille, on a commencé à jouer ensemble, en duo, en France, en Bretagne. Un lien de complicité fort s'est constitué entre nous deux. Et un jour, il a commencé à m'évoquer cette idée, partir au Niger, aller visiter tout son environnement familial au bord du fleuve, puisqu'il est natif de la région Sonrail. Et donc, il souhaitait, dans un premier temps, m'emmener dans son village natal, Karou. Puis de là germer une idée beaucoup plus large, faire une tournée entre Niamey et Gao. Oh,
Mayo veut dire « j'ai peur du fleuve ». Mayo, c'est un peuple. Le fleuve, il est important. Il est d'une importance capitale pour nos cultures. Mais tout de même, nous craignons un peu le fleuve parce qu'il renferme des hippos, des crocodiles. Si jamais je ne sais pas nager, il faut me venir au secours pour me faire traverser. En aiguille, comme ça j'étais intéressé par les projets Pierre Yves. On a été amené à organiser des stages de pratique de Kuntigi quand Barry arrive en France. On a un monocorde qu'on va retrouver au Niger, un peu au Nigeria, au Mali. Bah, à l'origine ça devait être une petite calebasse. Maintenant ici on utilise des boîtes de conserve recouvertes d'une peau. C'est un instrument assez attrayant. Ça peut apporter une autre couleur, mais on se rend compte un peu après du travail et de la technique développée par les musiciens nigériens. C'est vraiment toute une culture et très très riche, très, plein de, avec plein d'ornements, plein de variations. Ce répertoire j'avais préparé un peu à mon idée, en conditions de répétition ça a été un peu différent. Il y a quand même une autre feeling nigérien, enfin, son rail qu'on peut acquérir au contact quotidien après de longues heures de répétition. Hein. On arrive au cinquième concert et là je commence à percevoir d'autres voix dans la musique, à me sentir plus à l'aise. Pour pouvoir faire évoluer la musique aussi. Quoi. En fait, Sachesso, pour moi, c'est encore une nouveauté, même si ça fait 15 ans que je viens au Niger. J'avais fait mes débuts à Goudoumaria, là-bas j'y avais appris un tambour traditionnel, le ganga des Beriberi, qui m'a aidé aussi à apprendre d'autres tambours, comme le kalangu. Et puis tout dernièrement, j'ai commencé à jouer avec Barry. Il m'a conforté dans des rythmes que je maîtrisais à peine, en fait. Parce qu'il ne s'agit pas que de les connaître, après il faut réussir à évoluer dedans, à faire des variations. Je me rends compte qu'il faut des fois 4-5 ans pour être à l'aise dans une pulsation qui pour nous n'est pas naturelle du tout. Baby, I'm
Je suis né en 1952 à Fermé-Gouroué. J'étais nomade. Derrière le troupeau, je m'ai rendu à Niamey. Et dans la ventille, j'arrive à faire de la musique. Mon premier instrument, je faisais la batterie en 1969. Et finalement, je suis devenu grand chanteur. Garo Giro, c'est une année qui a eu des famines. Parce que c'est une période de culture. La pluie a tombé. On a semé tous les mille et tout ce qu'il faut. Eudi a envoyé des criquets. Plein. Ils ont tout bouffé. Ils ont rabasé tout comme incendie. Ils sont rentrés dans les greniers, bouffé tout. Il y a eu des garis là qui sont venus. Béni a envoyé des garis. C'est des trucs de manioc. On met du sel, huile, piment. Garo Giro, l'année de Gari. Pierre-Yves m'a demandé en gros d'être régisseur de la tournée. Je me doutais qu'il y aurait certainement plein de petits détails, de soucis à régler. Et puis ben, alors là, c'était effectivement au-delà de mes espérances. J'avais jamais démonté un groupe électrogène, je suis pas une fortiche en électricité. Ce qui était un petit peu stressant au tout début de la tournée, et puis on s'est imprégné des choses, on a découvert la façon de faire, on s'est rendu compte que quoi qu'il arrive, au bout du compte, on fait le concert. C'était vraiment, vraiment quelque chose d'un peu magique. Là, je me dis que j'ai vraiment appris quelque chose. Et je suis fier d'avoir mon petit diplôme de technicien de brousse à l'issue de cette tournée. C'est un projet avec Barry qu'on monte depuis 12 mois. Le temps passait, tout ça était sur papier en France. Puis finalement, là, ça y est, on est vraiment dans le fait accompli. On est ici sur place. Au bout d'une semaine, tout le monde commence à avoir ses petits rôles. Barry, lui, organise les choses avec les gens du village. Quand on arrive en concert, c'est toute une expérience, quoi. D'un côté, il faut louer des chaises, il faut réserver le lieu, aller visiter les personnes administratives, les responsables, etc. Moi, je gère un peu l'organisation, le budget. Toff gère la technique avec l'aide d'Abdou. Et on sent qu'à nous tous, on fait une petite équipe formidable. Et enfin, on accueille un public et on joue. Et ça, c'est une sacrée récompense.
raconte.